Et donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le mardi 20 juillet. Donc les gars, comme tout le monde le sait, le DLC est arrivé. Donc là les gars, ce que je vais faire, c'est comme bah, tout le monde l'a capté, on a un nouvel icône sur la map. Donc c'est cet entrepôt là. Là ce que je vais faire, c'est juste, je suppose qu'on va avoir une cinématique, tu vois, quand on va rentrer à l'intérieur. Donc là les gars, je vais juste faire une vidéo de, bah, de présentation. On va faire le tour, écouter la cinématique. Merde. Et ensuite, je ferai une vidéo où j'achèterai l'atelier du garage, puisque ça va douiller, je pense. Hein. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire en live, je vais le faire plus en vidéo. Donc pour l'instant, les gars, bonne découverte. En tout cas, on a des nouvelles têtes. C'est déjà pas mal. Tête d'émission. Et c'est pour ça que les gars, voilà, je vais pas, je pouvais pas lancer un live, puisque j'ai remarqué que avec l'autre personnage, j'ai guetté et les véhicules, on peut les débloquer en faisant des courses ou en allant au LS, un délire comme ça. Donc je pense que ça va se jouer avec un entrepôt qu'il va falloir acheter. Donc là, je l'achèterai en vidéo cet après-midi, selon le retour de cette vidéo. Ah, peut-être que vous aimerez aller voir ailleurs, mais voilà, moi, c'est pour ça que j'hésitais à faire un live. Donc là, on a vu la cinématique, et là, maintenant, bah, acheter une carte de membre auprès de Mimimati pour accéder à tous les services du salon Auto LS et à des courses qui vous permettront de vous forger une réputation, améliorer votre réputation pour débloquer des tarifs spéciaux sur les véhicules et acheter des articles exclusifs. Donc les gars, c'est pour ça, regardez quand on va sur, admettons, bah, sur Legendary. Et là, on a reçu 10 véhicules, ça fait que si j'achète les 10 véhicules au prix fort, bah t'imagines toi, regarde. Tandis que là, voilà. En haut à gauche, on a un message. Augmentez votre niveau de réputation au salon auto de LS. De 1, est-ce que c'est les courses ou est-ce que c'est la customisation du véhicule dans l'entrepôt qu'on va devoir acheter?
tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère faire les choses dans l'ordre. Ça fait que là, je vous ai montré le délire. Attends, je vais faire le tour de. Attends, je vais faire quand même le tour du propriétaire. C'est la moitié des choses. Mais je pense que le garage, il faut l'acheter en vidéo et pas le faire en live. Donc les gars, regardez, il y a plusieurs ateliers auto. Donc regarde les prix. Hein. 1 750 000. Après, il y a les endroits, peut-être. Moi, perso, j'ai déjà repéré le mien. Le mien, ce sera celui-là, tu vois. 1 830 000. Avec le personnage principal, là, tu vois. Le moins cher, il est ici. 1 670 000. Donc, à côté, il y a un LS Custom, si je dis, ouais, par ici. Tu vois, là, tu auras un LS Custom aussi. Donc, les gars, j'ai été voir avec l'autre perso. A priori, il y a... J'ai rien vu de nouveau, tu vois, j'ai pas été dans les roues avec un véhicule modé, mais j'ai rien vu de nouveau. Par contre, je pense que là, oui, on aura de la nouveauté. Donc là, je l'achète pas maintenant, je vais l'acheter, je l'achèterai tout à l'heure en vidéo en fait, hein, pour voir combien on va douiller pour l'achat de cet entrepôt et au moins faire le premier véhicule, tu vois, que ce soit sur Legendary ou sur Souterne San Andreas. Donc les gars, vous me direz quoi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un véhicule ou pas, ou si vous souhaitez que j'achète le garage, ou vous en foutez carrément, tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout. Et mais le live, voilà, si je fais un live, les gars, ça sera beaucoup solo, tu vois, ça sera énormément solo même. Donc là, en attendant, on découvre. Bon, la carte de membre, je vais pas l'acheter avec ce personnage-là. Je vais l'acheter avec l'autre personnage. Et regardez, mon véhicule, ils me l'ont garé eux-mêmes. Donc là, les rassemblements, je pense qu'on pourra les faire ici. En tout cas, je l'espère. Maintenant, il faut voir si on peut rentrer avec des amis. Si les véhicules seront garés, je pense que oui. Hein. A priori, c'est accès à tout le monde. C'est pas marqué que c'était mon garage. Ça, c'est un endroit pour tout le monde. Donc, ouais, voilà. J'ai remarqué qu'il y avait un magasin de tatouage, donc ouais, ça fait comme les films qu'on kiffe, quoi. Et j'ai remarqué que c'est tout véhicule, tu vois, regarde, faction custom, il y a tout. Et ça, c'est pas mal, regarde. Par contre, un avant comme ça, bah, ça me dit rien du tout, tu vois. Ah, il y a beaucoup de factions là, j'ai remarqué. Regardez là-bas. Ouais, magasin de tatouage. Ah, il faut une carte. Donc les gars, tu vois, il faudra une carte. La carte, je sais pas combien elle coûte. Attends, on va aller voir. Et après, je vous laisserai tranquille là-dessus. Là-bas, il y a du drift. Donc quand tu montes dans ton véhicule, tu peux faire du bruit avec, tu vois, t'as deux trois options, je pense. Attends, il est où? Ah, c'est là-bas. On va pouvoir s'entraîner, et ça, c'est plutôt cool, en fait. On va pouvoir faire des lives tranquilles. Regarde, là, je fais L1, on n'a pas accès à nos armes. Ouais. On voit rien du tout, attends. Ah, il faut la carte. Donc les gars, là pour l'instant, ben, je fais la petite découverte. Là, je sais que mon perso regarde secondaire. Je vais pas tout dépenser avec le personnage là. Et regardant en bas à droite, ça fait comme à l'arena. Donc je pense qu'il y aura des courses à faire quand même. Bah ben, oui, des courses telles que celles qu'on voit devant. Donc les gars, bah voilà, profitez bien du DLC, faites attention à la thune que vous allez débourser, surtout pour les jeunes, n'achetez pas tout et n'importe quoi, n'achetez pas les véhicules maintenant, en sachant que bah, on peut les avoir un peu moins cher, et ça c'est plutôt pas mal, comme la carrette, elle est plutôt pas mal. La Dinka Jester, ouais, c'est la nouvelle voiture, je pense, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, les gars, je ferai les customs des véhicules. Bah, ça, c'est clair et net. Je pense qu'il y a possibilité de remonter en visibilité grâce à ce DLC. Donc, les gars, voilà. Là, c'était une petite vidéo vite fait de présentation. Même moi, là, je vais couper. Je vais pas continuer. Et bah, une fois que j'ai posté cette vidéo, bah, je vais acheter le garage après les retours de cette vidéo, évidemment. Donc, les gars, voilà. Faites attention à la thune. C'est super important. Et voilà. Donc, les gars, je vous dis à tout à l'heure. J'espère que cette petite vidéo, vite fait à l'arrache, bah, vous aura fait plaisir. Au moins, on sait que le DLC, il est beaucoup mieux que le sous-marin, je pense. Je dis pas de... Voilà, moi je préfère ça, honnêtement. Bah, ça, c'est... Il n'y a pas photo. Les voitures, c'est mon dada.
Donc les gars, voilà, sur ce, c'était FabKick sur GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à en profiter et j'espère que je pourrai vous présenter le garage, du moins mon garage, et vous présenter au moins la première customisation. Donc les gars, voilà, un gros poupou si vous êtes chaud et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao les gars, ciao. Attends, je vais te faire montrer qu'on peut faire rugir notre voiture. Attends. Attends que je la retrouve. Allez là-bas. Eh, malgré tout, c'est un petit labyrinthe, hein, les gars. Regarde les nouveaux motifs. Ah, il y a de quoi faire. Oh, sa mère, ouais. Donc regarde quand tu montes dans ta voiture. Bah, je pense que vous l'avez capté, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas encore capté. Donc tu fais carré et R2. Donc ça, je pense que c'est quand on sera avec les poteaux, tu vois. Celui qui fait le plus beau bruit, j'imagine. Bon, on a juste cette option là, c'est tout. Mais qui est déjà pas mal, parce que dans les garages on peut pas le faire, on fait R2, on sort. Tandis que là, on sort pas du tout. Donc attends, j'ai dit que je voulais voir la carte de membre quand même. Attends, je vais regarder vite fait. Acheter une carte de membre, 50 000 $, déplacer le véhicule personnel, ouais, ça on s'en bat les steaks. Prise de contrôle, augmenter le niveau de réputation VAT du salon auto LS pour débloquer cette option. Ouais, ça, franchement, ça vaut le coup. Donc les gars, voilà, sur ce, c'était moi. Je vous dis à bientôt sur le jeu et j'espère que on pourra enchaîner les vidéos et que ça vous fera plaisir. Donc les gars, passez un bon DLC et amusez-vous bien sur le jeu. Allez, ciao les gars, ciao.